Bon ben, bonjour à tous. Nous sommes le 15 juin à 14h56. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter mes tripages que j'ai reçus aujourd'hui dans ma ville. Et comme à l'habituel, j'en reçois trois. Mais la différence, c'est que habituellement, quand je reçois des strict pass, je reçois un mi plus deux strict pass sur deux de mes jeux. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai reçu aucun mi, mais trois strict pass sur trois de mes jeux. Généralement, j'en reçois un sur Mario Kart 7 ou Super Mario 3D Land, ou bien les deux, ou encore Super Mario 3D Land ou Mario Kart 7 avec Super Smash Bros. Fois 3DS. Allons voir les personnes que j'ai reçues. On va commencer avec Super Mario 3DS, c'est plus rapide. Maintenant, allons voir sur Pokémon Shuffle. Et en passant, la compétition pour obtenir une Torten Kit est revenue. Puis moi, je l'ai déjà reçu lors de la première compétition. Là, les gens ont une seconde chance de pouvoir l'obtenir. Je vais raconter ça après. Maintenant, allons voir qui que j'ai bien reçu. Vous avez croisé une personne. Ah, puis en soi-disant passant, ça doit faire au-dessus de 2 semaines que j'ai pas reçu personne sur ce jeu-là. Vous avez croisé 30 joueurs via Strict Pass. Je reçois un cœur. Vous avez croisé un joueur pour la première fois depuis longtemps. Ben, j'ai reçu 2 cœurs. Ah, regarde, vous avez remarqué, les bonus s'inscrivent maintenant ici. Quand je reçois des cœurs en bonus. La dernière fois, c'était pour ça. C'était Nintendo qui nous a offert 5 vies bonus pour un événement quelconque. Pour célébrer cet événement-là. Comme pour donner un bonbon, exemple. Pour faire évoluer l'un de nos Pokémon plus rapidement. Bon, maintenant, on va aller me rencontrer de passe. Le nouveau. Oh, on dirait qu'il n'y a rien. Hein, c'est Jeff, ouais. J'ai déjà rencontré cette personne-là, puis c'est zéro. Comme vous voyez, c'est le même. Exactement la même personne que la dernière fois. Qui est à zéro. Je t'en vidéo pour faire étant à mon poste, s'il te plaît. Ah, stylo! Bon, là maintenant, on va aller. Bon, avant, je vais juste aller vous montrer qu'est-ce qui peut bien se produire si je me retrouve encore dans le top 20 000 du classement nord-américain, là. Ben, je veux dire. Dans mon continent à moi.
Ça risque de prendre un peu de temps. Fait qu'on va se rejoindre pour une prochaine vidéo.